50 étudiants d'une filière ont reçu leur diplôme de fin de formation en art oratoire après 6 semaines de dur labeur le 28 janvier 2022 à l'Institut d'art oratoire en présence du coach Ulrich Guégan, promoteur de cette prestigieuse institution de référence au Cameroun. Occasion d'exprimer toute sa gratitude à l'endroit de ses collaborateurs coach pour le travail bien accompli. Nous sommes à la fin de plusieurs sessions. Aujourd'hui, c'est la remise des attestations et les étudiants sont en joie, tout le monde est en liesse et il y a une ambiance extraordinaire. Et ça me rappelle, il y a une dame qui a dit « Je suis venu avec toutes mes peurs, aujourd'hui je pars libre ». Et ça, c'est le message qui reste au fond de moi. C'est la raison pour laquelle nous, on a créé cet institut et nous faisons ces formations qui durent 6 semaines où chaque participant vient avec ses peurs, avec ses difficultés, avec ses programmations. Et notre objectif, c'est de casser ces peurs, casser ces programmations-là et leur permettre de repartir avec une totale liberté, léger et surtout rempli de confiance. Et ce soir, c'est une vraie satisfaction. On est très contents. Tous les coachs, je tiens à remercier tous les collaborateurs, tous les coachs, tous ceux qui sont là au quotidien pour vivre chaque semaine, chaque journée, afin que les participants, afin que ces étudiants, afin que ces professionnels repartent avec une totale confiance et vont avec espoir de revivre une vie nouvelle et surtout d'avoir un impact nouveau et un impact plus fort. Merci à vous qui nous suivez et je vous donne rendez-vous ici à l'Institut d'art oratoire pour ceux qui veulent, comme eux, vivre cette aventure unique, cette aventure incroyable, afin de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Merci encore, je vous aime et à bientôt. Les diplômés ont été formés pour être des maillons forts de la société, mais sont également appelés à plus d'abnégation pour une meilleure intégration professionnelle. À la vérité, c'est un pur bonheur, c'est un pur régal, c'est un pur plaisir. On ne peut pas dire qu'on peut faire une formation comme ça sans difficulté aucune. On est dans une salle d'environ 50 personnes et chaque personne est venue avec sa problématique. À la base, toutes les personnes qui arrivent ici ont une seule envie, c'est savoir parler en public. Du moins, ça, c'est ce qu'elles disent. Sauf que pendant l'entretien, vous vous rendez compte que non, celui-ci s'est même déjà parlé en public, mais il a un problème en interne. Il faut aller chercher le problème qu'il a en lui. Il faut aller travailler sur sa confiance en lui-même. Et c'est ce qu'on a fait durant 6 semaines. Aujourd'hui, on est heureux. On est heureux d'avoir vu certains témoignages. Lorsque quelqu'un te dit, moi je suis venu avec mes peurs, je suis venu avec mes frustrations, aujourd'hui je me suis libéré, aujourd'hui je pars libre. C'est la leçon que j'ai envie de retenir. Et ses camarades qui se lèvent et qui l'acclament. Ses camarades ne l'acclament pas seulement pour le discours qu'elle a tenu, mais on l'acclame parce qu'on a vu son parcours, on l'a suivi de bout en bout. C'est pour ça que nous on travaille. Ça nous donne tellement de passion, ça nous donne tellement de plaisir de continuer de bosser. Et c'est pour ça que je suis toujours surpris de rencontrer des gens dans la rue qui me disent, comment est-ce qu'on peut faire pour créer un institut pour apprendre à parler? Oui, vous avez besoin de vous former dans les techniques de prise de parole en public. Ces derniers se disent prêts à relever tous les défis en mettant en application les enseignements acquis et remercient le promoteur pour la qualité d'encadrement. Tout d'abord, bonsoir. Michel Merveille, formateur ce moment. Et je suis étudiant et j'ai fait la formation 6 semaines à l'Institut d'art oratoire. Alors, je suis très contente ce soir d'avoir reçu mon parchemin, comme vous pouvez le voir. Et j'ai reçu plusieurs choses, j'ai été formée en plusieurs domaines. J'ai appris à parler, j'ai appris à écouter et j'ai appris à défendre mes idées. Donc, c'est un peu ce que j'ai appris à l'Institut d'art oratoire. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez venir et découvrir de vous-même. On ne vous dit pas de venir apprendre, mais lorsqu'une nécessité va se poser, vous allez venir apprendre. Je vous remercie. C'était des moments très merveilleux, des moments inoubliables, c'est tout. Donc, nous avons pu évaluer notre niveau de prise de parole en public. Donc là, nous venons d'avoir les attestations et comme on nous l'a dit, l'attestation ne fait pas l'orateur. Donc, mais nous avons appris des techniques qui vont nous aider certainement dans nos activités quotidiennes, nous aider à pouvoir prendre le dessus, à pouvoir progresser, à pouvoir s'impacter dans tous les aspects de la communication liée à notre vie quotidienne, notre boulot et notre vie même intime. Donc nous voulons ainsi remercier l'IAO, l'Institut d'art oratoire, remercier tous les coachs, remercier le coach Ulrich, le coach Rostand, toute l'équipe média tout autour pour tout ce qu'ils ont fait et nous serons infiniment reconnaissants. C'est un sentiment de joie, un sentiment
de mission accomplie, un sentiment de fierté dont nous sommes ainsi rendus à la fin. Nous sommes contents, nous sommes... qu'est-ce que je peux dire de plus, nous sommes tout joyeux, tout simplement. Cette cérémonie de remise des diplômes a été le lieu par excellence pour donner un clap d'ouverture à la prochaine session qui débutera le 14 février prochain à l'Institut d'Oratoire situé au 3e de l'immeuble pharmacie d'Eido, non loin de la Blangerie Coiffe. Je sortirai d'ici en vous tendant un coup de main, en vous disant que le 14 février, vous avez la possibilité encore aujourd'hui de vous inscrire pour la prochaine session. Elle commence le 14 février, donc je suggère que vous veniez et vous allez profiter de toute la magie. Je mets ça entre guillemets parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui le déclarons. Ce sont les déclarations des apprenants qui font en sorte qu'à la fin, nous serons des personnes heureuses, nous serons des personnes contentes. Merci. Une photo de famille est venue immortaliser l'événement du jour et mettre fin à la cérémonie.